takatifu. Na hivi wa militantu wote na militant wako hapa, umati wa watu, umati wa watu, makanisa mbali mbali wote wamewasili hapa. Hata tutasahau wale ndugu zetu pouvoir participer à la messe que célébrera le souverain pontife tout à l'heure ici au bâtiment du 30 juin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chansons religieuses qui sont en train de se passer sur toutes les lèvres des fidèles ici présents. Ce sont les prières de tous les fidèles, car le souverain pontife est avec nous aujourd'hui. Je vois que tous les fidèles viennent se lever. C'est-à-dire que le souverain pontife va bientôt arriver. Je crois signaler que c'est un événement absolument indicible. Lubumbashi n'a jamais reçu un ecclésiaste de ce niveau. Et le pape arrive en ce moment même. Nous avons un petit problème avec la caméra de Massamba, qui aurait dû en fait nous donner le gros plan du pape Jean-Paul II. J'espère que Kassongo, qui s'occupe en ce moment de cette caméra, va nous arranger ce problème. Le pape Jean-Paul II arrive pour faire la messe à Lubumbashi. Eh bien, je vous dirai très simplement qu'il ne va pas porter la tiare, parce qu'il a refusé, tout comme Jean-Paul Ier avait refusé de porter la tiare, parce que ça donnait l'impression d'être un monarque. Alors, le pape ne porte pas la tiare papale. Aujourd'hui, il va en fait porter ce qu'on appelle, en termes ecclésiastiques, la mitre. C'est une espèce de chapeau conique. Vous avez certainement déjà vu des évêques avec cela. Mais pendant la cérémonie, il y aura à l'enlever. Vous avez suivi la cérémonie à Lubumbashi. En ce moment, Jean-Paul II avec sa mitre sur la tête, dans une tunique rouge, ce qui n'est pas, en fait, vous l'aimez, habituel, parce que les papes portent normalement une tunique blanche pour ne pas être confondu avec les cardinaux. En fait, le pape, c'est d'abord, puisqu'il est élu par le sacré collège, mais là, exceptionnellement, il porte une tunique rouge pour la circonstance, et il va dire la messe ici au bâtiment du 30 juin. Je pense que c'est un événement particulièrement exceptionnel que nous vivons en ce moment. Il est vrai que hier, nous avions eu le plaisir et la joie de voir le pape béatifier Sœur Anouarité. Vous savez, Kafoulé Mekafoya, vous avez fait le séminaire, donc je ne vous apprendrai pas grand-chose. La béatification est une espèce d'étape avant la canonisation. Eh bien, c'est cela même, Kassongo Mbana. Alors, ici, il n'y aura ni béatification, ni canonisation. Il y a tout simplement une messe dite par le pape à l'intention de ce Anouarité. Eh bien, nous sommes très contents que le souverain pontife soit venu ici à Lubumbashi pour pouvoir dire cette messe de béatification, car comme vous l'avez dit, la béatification elle-même a eu lieu hier dans la capitale zaïroise à Kinshasa. Alors aujourd'hui ici à Lubumbashi, c'est tout simplement une messe. Une messe que le pape va dire tout à l'heure. Et voilà, ils sont déjà sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Il est là avec tout son sacré collège. Il s'est arrêté sur les marches de l'esplanade. Il a salué les fidèles. Il continue à monter l'esplanade. On va demander à Botoulou de nous montrer le pape qui salue le public. Merci beaucoup, Botoulou. Merci bien, Botoulou. Voilà le pape qui salue tous les fidèles massés ici au bâtiment du 30 juin. C'est la grande joie, l'heure, la minute, la seconde tant attendue par les fils du Shaba, par les fils de la Zambie. Cette minute qu'ils ont attendue depuis des semaines et des semaines, voilà que maintenant elle se concrétise. Le pape Jean-Paul II debout.
continue à saluer les fidèles ici devant le bâtiment du 30 juin. C'est le délire, un véritable délire des fidèles du Shabbat. Un délire tant attendu. Eh bien, je pense que Kasongo Mouema, ceci est la minute exceptionnelle luchoise. Et je voudrais que les amis qui écoutent le Swahili la vivent avec nous. Nous c'est Kipili Bamangu. Eh bien, Kipili est juste à côté de moi. Vous pouvez un peu commenter l'atmosphère qui se passe ici. Hakika uangalizi na wasikilizaji ni sasa baba mtakatifu papa Yohane Paulo wa pili yuko hapa kwenye kama mnavyomuona kwenye nafasi ya Saint-Cantenaire ambako amekuja hakika na hivi bado kidogo alikuwa akiwamkia kama mlivyoona alikuwa akiwamkia wa militante na wa milita wote waliokuja kumwamkia na hivi sasa anarejea katika nafasi yake kama ilivyopangwa na hivi ni bado kidogo mtaona misa itaanza bado wanafanya matajarisho ndani ya Saint-Cantenaire ambako huku mimbo inaendeka mimbo inaendeshwa wamilitante wamilitante mbali mbali wanaendesha mimbo huku akiimba kwa kuweza kumsifu Mungu kwa kumsifu Mungu ili apate kumbariki baba mtukufu baba mtakatifu papa Yohane Paulo wa pili ili apate kumlinda amtembeze mahala pote anakokwenda kwa baraka ya Mwenyezi Mola basi uangalize na wasikilizaji watukufu hivi bado kidogo misa itaanza lakini bado wangali wanatayarisha mambo mbalimbali huko Saint-Cantenaire kama mnaona nyinyi wenyewe baba mtakatifu amekwisha fika yuko tayari akibariki Voilà, merci. C'est Kipili Bamangu Malim Abdallah. Et bien là, c'est la chanson d'entrée. Ça veut tout simplement dire Mungu Mwema Umbariki. Ce qui signifie Dieu très bon, bénissez le ou la. Mais je vois qu'à l'intention actuellement, c'est là parce qu'il s'agit de. Anuarité. Alors bon, ils demandent à Dieu et ils intercèdent auprès des saints. Mais il est un fait, c'est que là, ils invoquent Marie, ils invoquent Eugenio. Mais enfin, je n'ai pas un esprit tordu. Moi, je sais que l'ancien prénom de l'évêque de Lubumbashi, c'est Eugène. Je ne sais pas si Eugenio est un peu dans ce sens. Petro, c'est bien sûr Pierre. Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. D'accueillir votre auguste personne. Vous êtes le bienvenu. Très Saint-Père, par notre affluence en ce lieu, nous voulons dire au monde que ce n'est pas que de cuivre, d'or, d'argent ou de cobalt que nous vivons. D'ailleurs, les richesses concentrées dans notre sous-sol plus qu'ailleurs dans le monde, servent depuis des siècles aux besoins des autres, des anciennes métropoles. Voulant sauvegarder en nous le seul et unique nécessaire, nous nous attachons à la parole de Dieu pour appeler à l'esprit de solidarité et de partage ceux qui détiennent en main le sort des autres peuples et nations. Très Saint-Père, par notre affluence,
Nous voulons aussi montrer que nous sommes viscéralement croyants et que nous sommes en quête de vrais maîtres spirituels, de témoins porteurs de la foi et de l'espérance, des maîtres qui aiment dans leur regard, dans leur cœur et dans leur esprit, des maîtres capables de nous secouer et de nous entraîner à la suite du Christ. Très Saint-Père, beaucoup de fidèles sont ici rassemblés. Par notre affluence, nous voulons enfin manifester le désir profond de beaucoup de confessions ici présentes et qui nous écoutent, d'avoir un pasteur qui les rassemble tous au nom de Dieu et de Jésus-Christ. Très Saint-Père, votre ouverture aux efforts d'expression africaine de la foi et la confiance que vous placez dans les églises d'Afrique nous ont toujours encouragés. Nous sommes heureux de constater que vous nous faites prendre conscience de nos responsabilités vis-à-vis des peuples que nous évangélisons et que vous nous incitez à inquiéter leur conscience. Votre enseignement, prenant toujours le parti de l'homme, rejoint les attentes les plus profondes du continent noir. C'est des témoins comme vous, très Saint-Père, que le monde de ce temps désire rencontrer. Amen. Maintenant, j'invite l'Assemblée à réciter avec moi et devant le Saint-Père la prière qui nous unit au Saint-Père et à travers lui au Christ. Au nom de la Papa, Seigneur notre Dieu, toi que nous pouvons invoquer, en qui nous croyons, toi qui nous as envoyé des apôtres pour nous prêcher ta parole de vie, toi qui ne cesses de susciter au sein de ton Église l'héros de ton évangile de vérité, dirige vers nous les pieds de ton vicaire sur terre et à la fois successeur de Saint-Pierre en la personne du pape Jean-Paul II. Nous savons bien qu'en l'accueillant et en écoutant attentivement sa parole, avec un esprit docile et un cœur ouvert, c'est bien toi-même que nous accueillons et que nous voulons écouter au-delà de sa personne. Oui, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de la bonne nouvelle. Nous te rendons grâce pour son arrivée prochaine chez nous. Protège-le. Nous te rendons grâce de l'avoir donné à ton Église et en ces temps difficiles pour crier au monde entier le respect de la vie, le respect de l'homme. Nous te rendons grâce pour le don que tu as fait à notre nation et à notre Église du Zaïre, de la servante martyre, sœur Anaïté. Fais qu'à son exemple et par ta grâce, que les personnes consacrées restent fidèles à leur vocation particulière au sein de